l'attends, c'est tout. Je reste là car je sais qu'il viendra. Et je pourrai enfin lui révéler le secret de mon petit cœur. Tu m'attendais? Non, non. Je... Tu... Enfin, je veux dire... Oh. Je consens à ce qu'on fasse de la série Excel Saga un mélo-romantique dégoulinant de bons sentiments. Oh, comme je t'aime! Bien. Oui, c'est bien. S'il te plaît, encore 5 minutes. Lève-toi, je te dis debout, sinon tu vas me faire arriver en retard, moi aussi. Tant pis, vas-y sans moi, je reste au pieu. Pas question, j'ai vu ta prof principale hier, elle m'a demandé de m'y prendre comme je voulais, mais il faut que t'ailles à l'école tous les jours, c'est comme ça. Sinon elle te réserve déjà une pile d'interro que je voudrais même pas être à ta place quand elle va te les filer. Mais elle a pas le droit, c'est pas humain. C'est quand t'as entendu parler d'interro que t'as bougé, hein? Pourquoi? C'était du bluff? Eh oui, c'était du bluff! Dommage! Espèce de... Oh, j'en ai plein le dos de la frangine, il faut toujours qu'elle dépasse les bornes. Elle me le paiera. Tant pis pour elle, je vais la tuer. Retour au service de l'organisation secrète et idéologique atroce et à celui de son leader Il Palazzo, dont le but est la conquête de cette ville. Retenu captif dans la jungle, j'ai été cruellement torturé puis jeté dans un puits où j'ai été détenu avec le masque de fer. Crevant la dalle, on causait tranquillement cuisine, quand un type du genre disco, coupe afro et tout, a débarqué pour nous sauver. C'est là que les autres ont sorti le grand jeu, faux tank et hélico. Ça explosait dans tous les coins, mais je m'en suis sorti et je suis rentré à la maison. Dites, c'est du rail. Bonjour, Ayat. Vous pourriez au moins m'écouter. Je tiens à te féliciter. Tu as mené ta mission à bien. J'ai eu la chance de bénéficier de circonstances favorables. Décidément, tu es trop modeste. Me direz-vous qui est cette fille, Seigneur ? C'est vrai, pardonne-moi, je ne t'ai pas encore expliqué. Cette fille est l'agent qui avait disparu. Elle se nomme Excel. Je vois. C'est donc toi, ma supérieure ? Je l'ignorais. Je suis désolée, je me présente, je m'appelle Ayat. Salut, ravie de te connaître, Ayat. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas?
J'ai juste dit que j'étais ravie de te connaître, ça n'engage à rien d'habitude. Une formule de politesse, ça s'appelle, ok? Alors on se calme. T'as pas l'air dans ton assiette? T'as l'air à moitié morte? Mais t'es morte? Qu'est-ce qui coule de ta bouche? Ça coule de sa bouche! C'est tout rouge, c'est dégueulasse! Oh, mais... Monsieur P... Où suis-je? Ah! Enfin, tu es réveillée! Je suis une fille de la montagne, mon nom est Kumikumi, tu veux un peu de soupe? Continuez, oui. C'est ça. Tetsuko. Oh, tiens! Pardon, mais elle va refroidir! Oh, merci. Encore être à sec ce mois-ci, j'en ai marre. J'ai intérêt à trouver du boulot vite fait, moi. Mais vu qu'avec la crise, il n'y a jamais eu autant de chômeurs, je sens que c'est pas gagné. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont à se marrer? Qu'est-ce qu'ils veulent? Arrêtez, ok? J'ai dit stop! Écoutez, foutez-moi la paix! Lâchez-moi, bande de nazes! C'est bon, là! Si vous vouliez me foutre les nerfs, c'est gagné, hein! Lâchez-moi maintenant, je vous ai rien demandé! Et arrêtez de vous marrer! Hayate, c'est ma copine, on est dans la même classe. Hé, hey, Hayate, je te raccompagne si tu veux. Non, désolé, il Palazzo ne m'en veut pas, mais je ne voudrais pas qu'après on se fasse des idées sur nous. Bon, tant pis pour elle, elle l'aura voulu. La situation est désespérée, ils le savent, mais c'est pas en se bidonnant comme des tordus que les choses vont s'arranger. Je dois agir. Oh, mais c'est la fille d'hier. Elle est si belle. Non, c'est pas bien de faire ça, j'ai pas le droit. Je devrais avoir honte. Quand on trouve quelqu'un par terre sans défense, il faut pas en profiter, faut l'aider. Bon, allez. Poutchou. Hé, hey, pas touche la peluche. Mademoiselle, comment ça va? Mademoiselle, je vois un long tunnel, une lumière. Vous êtes réveillée? Oui, pardonnez-moi. C'est parce que je souffre d'anémie de temps en temps. J'ai chaud. J'ai besoin de me rafraîchir. Oui, d'accord. Venez, reposez-vous sur moi. Incroyable! Qu'y a-t-il d'incroyable? Ah bon? C'est vrai, tu l'as vu? Ça va mieux, vous? Tenez, je vous ai trouvé à boire. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Ah, c'est tellement agréable. Tant mieux, je suis content. C'est tellement agréable. Comment puis-je vous remercier de votre gentillesse? Ah, mais ce n'est rien, voyons, oubliez ça. Je suis toujours heureux quand je peux rendre service à qui en a besoin. Oh mon dos! J'ai perdu mon portefeuille! On m'a volé mon bébé, mon tout petit! Bon, vous allez la fermer, les gens dans le besoin, oui? Alors ça existe, les belles rencontres. Chan est en retard, j'en ai marre de l'attendre. Et moi qui ai horreur de manger toute seule. Oh, non, c'est pas possible. Je vous salue, Il Palazzo. Profitons de l'absence d'Excel pour faire part à nos agents de leur promotion. Hayate, vous êtes promu premier agent d'élite. Menchi, agent des forces combattantes. Excel fera les chiottes. À présent, Hayate, passons à côté pour notre réunion coquine au sommet. Prends quelques pièces de lingerie supplémentaires, l'entretien risque de se prolonger quelque peu. Je me suis préparée, ne vous en faites pas, j'ai ce qu'il faut avec moi. Tu as même pensé à un nécessaire pour la toilette? Tu es la prévoyance incarnée, tu mérites bien ton grade. Non, je n'en suis pas digne. Viens là. Stop, temps mort! Pas d'accord, il y a un problème ici, ne m'abandonne pas!
m'abandonnez pas, Seigneurie Palazzo. Je vous aime tellement, vous êtes mon idole. Pourquoi vous m'ignorez toujours? Pourquoi vous vous moquez de moi? Notre rencontre ne signifie donc rien pour vous, hein? Alors, tu viens? Il est temps de rentrer maintenant. Lâche-moi, pétasse, rentre toute seule. J'imagine des choses aussi horribles, moi. Et surtout, pourquoi avec Hachan? C'est vrai, quoi? C'est quand même moi l'héroïne ici. Oh, son excellence, il Palazzo. Je vous en prie, ne m'abandonnez pas. Je ne pourrai pas le supporter. Je vous aime tellement, je suis red dingue de vous. J'en suis gaga. Sans vous, que serait ma vie? Rien, du profond, sans aucun sens. Oh, il Palazzo, il Palazzo. Oh, il continue, serrez-moi pas. Mon il Palazzo à moi. Mon il Palazzo, j'ai ri tellement adoré, tellement désiré. Mon il Palazzo, mon il Palazzo, la la. Mon il Zopalala. Alors, tu as choisi où tu veux que nous allions, il Palazzo? Faut que j'assure, il faut que je trouve un endroit où elle soit contente d'aller. C'est parfait. Allons au grand magasin. On va prendre un verre, d'accord? Comment tu te sens? Est-ce qu'il fait assez frais ici, pour toi? Oui, oui, je me sens très bien. Merci, Watanabe, c'est Watanabe. Mais tu peux m'appeler Watanabe? Watanabe, d'accord. Enchantée. Moi, je m'appelle Ha. Ha? Ha. Ha. Ayasugi, oui, c'est mon nom. Ha, Ayasugi, c'est très joli. Non, non, c'est Ayasugi sans Ha. Ah, d'accord, j'ai compris. Tu t'appelles Ayasugi sans Ha. C'est bon, appelle-moi comme tu veux, personnellement, je m'en fiche. Bien, alors je t'appellerai Ayasugi pour faire court. Parfait, ça ira très bien. Tu sais, Ayasugi, je suis vraiment heureux de savoir que le hasard a décidé que tu allais habiter juste à côté de chez moi. C'était une hystérique, celle qui était dans cet appart. Fallait voir le boucan. Plusieurs fois, j'ai failli lui défoncer sa porte. Ah, tu connaissais ta voisine? Vite, quelque chose à dire, changer de conversation. À part ça, tu fais quoi dans la vie? Tu travailles? Oui, c'est-à-dire, en fait, j'ai commencé hier. Je suis un peu perdue, mais je suis très motivée. Et j'adore ma supérieure, elle est chouette. Ah, c'est vrai? Oh là là, vas-y, la chance, je t'envie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles où? Bain sec. Ah bon, tu travailles chez Bain sec? Je connais pas. En fait... Attends, je ne comprends pas, c'est bain sec ou bain en fait? Oui, c'est-à-dire qu'en réalité... Dis-le-moi, Watanabe, où est-ce que tu travailles? Je... Si tu veux le savoir, je suis fonctionnaire! Fonctionnaire! Tu es employé par un service de la ville. Félicitations, tu as beaucoup de chance. C'est un emploi stable, par les temps qui courent, c'est important. Oui, oui, tout à fait, beaucoup de chance. C'est la ville qui me verse mon salaire et tout bien pesé, c'est rassurant. Un bug? Saleté! Ils ne s'en vont pas, patron. Ça fait des heures qu'ils sont là. Ils n'ont pris qu'un café. Ils se croient chez eux. Remarquez, il y a pire. Ces deux-là n'ont carrément rien consommé. Vas-y, va prendre leur commande. Ah non, ils me font peur. Tu sais, si tu as des ennuis, n'hésite pas à m'en parler. Je t'aiderai, pas de problème. Tu peux vraiment compter sur moi. D'accord, merci Watanabe. C'est bon à savoir. Qu'est-ce que tu te caches? Allez, Hachan, montre-toi! Rassez les poules! Monsieur, madame, est-ce que quelqu'un aurait vu cette fille? Elle s'appelle Aya. Répondez-moi, vous n'avez rien à craindre! Nous sommes deux agents de la Crosse, l'organisation qui veut conquérir cette ville! Alors personne n'a vu Hachan! C'est pénible, les gens qui sont jamais coopératifs! Toutes ces mâches corrompues! Elles ont besoin de la poigne de la Crosse! On va leur apprendre à vivre, nous! C'est quoi ça? Non, impossible. Il faut d'abord que je retrouve la trace de notre agent disparu. Excel, tu es sa supérieure et tu dois faire passer ton devoir avant ta gourmandise. Tu ne céderas à la tentation qu'une fois ta mission accomplie. Vous ne le regretterez pas. Bon, mais juste pour goûter.
excellent, excellent, ils sont pas cuits, mais ils sont excellents, j'adore. On fait nos courses au grand magasin, au grand magasin, on fait nos courses. Caviar frais. Saumon fumé. Bien, vous voilà. Il me fallait un professionnel formé à l'école de Shimabara pour ce travail. J'ai besoin que vous remettiez ce paquet à une fille blonde habitant en ville. Combien ? Votre prix sera le mien. Ça, c'est la grande classe. Dans ces conditions, je vous donne un tuyau de premier choix. Il est en vie. L'homme est en vie. Il est en vie ? Oui, mais j'ai l'intention de lui régler son compte dès que j'aurai terminé. Nabeshin. Je reviendrai ! Attends, t'as pas mangé ta soupe ? Je ne serai pas long ! Pourquoi fuis-tu ta soupe ? On s'amuse bien tous les deux, Il Palazzo. Oui, c'est vrai, on s'amuse bien. Ah, sacré Il Pala ! Alors, on drague les nanas ? Quoi ? Iwata Sumiyoshi ? Ce truc ne marche pas ! Je peux pas les virer ! On va sur le toit du grand magasin. Et qu'est-ce qu'on est venu faire là ? On retombe en enfance ? Personne ne vous a demandé de nous suivre ! On ne vous retient pas ! Attends, nous, si on te suit, c'est pour te faire plaisir, c'est tout ! Ah oui ! Vous voulez vraiment me faire plaisir ? Alors foutez-moi le camp d'ici au lieu de me casser la baraque ! En plus de ça, c'est une fille fragile, elle est malade ! T'as pas envie de la laisser tranquille ? D'être gentil avec elle ? Moi, j'ai envie de passer mon bras autour de ses épaules et ouais, j'ai pas besoin de chandelle ! Hein ? C'est quoi cette drôle de machine ? À quoi ça sert ? Bah, c'est un truc pour les gamins, faut mettre une pièce, mais si t'en mets pas, c'est gratuit. Tu veux que je te montre ? Ayasuki a passé l'âge de monter sur les manèges ! Alors lâche-la avec ça ! Hein ? Je trouve ça très mignon. Comment ça marche ? Je ne suis encore jamais montée sur ce genre d'engin. Tu veux qu'on en fasse un petit tour ? Pas de problème ! Ça me rappelle des souvenirs. J'adorais ça quand j'étais môme. J'espère que ça ne te fera pas mal au cœur. Tout va bien ? Oui, je m'amuse bien, c'est rigolo. C'est quoi cette nana ? D'où elle sort ? S'éclater sur un truc pareil. Quel bourrin ! Au moins, elle est pas blasée. Elle est encore capable d'apprécier les joies simples de la vie. Vous pouvez trouver ça naïf ? Moi, je trouve ça sain, au contraire. Et je veux m'occuper d'elle et la rendre heureuse. C'est normal, non, de vouloir aider une fille aussi fragile ? C'est vrai que pour être fragile, elle est fragile. Hein ? Ah, Yasuki ! Oh, vite, les toilettes ! C'était qu'une dégustation gratuite, mais ça fait mal au ventre. Eh oui, qu'est-ce que c'est ? Je vous aime beaucoup, mademoiselle. En fait, depuis toujours, mademoiselle. C'est pour vous, en gage de mon amour, pour vous. Ah. Oh, c'est gentil. Oh, non, de rien, mademoiselle. Si vous voulez bien m'excuser, mademoiselle. C'est normal, ça ? Oh, j'ai mal, Il Palazzo, comme j'ai mal. S'il te plaît, j'ai besoin de cette... de cette boîte. C'est pas vrai, je ne sais pas quoi faire. Il faut que je prenne une décision, il faut que je choisisse vite. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? J'ai pas de bol, j'en ai marre ! Il m'arrive que des tuiles ! On peut dire que je les accumule, hein ? Pourquoi le destin s'acharne sur moi ? Je ne suis qu'une marionnette ! Ferme-la, toi ! Oh la vache, tu m'as fait mal, je saigne ! Ferme-la, je te dis ! Tu peux crever ! Oh, Watanabe, emmène-moi aux toilettes. S'il te plaît, allons-y. Je vais enfin avoir la puissance de cette nouvelle bombe. Pardon ! Oh, toi ! Fumier, je comprends pourquoi Tetsuko. Nabeshin, comment es-tu arrivé à... T'aimes bien les chatouilles ? Ah, ça fait du bien de se soulager. Chef... Ah-chan, enfin ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Regarde, il y a quelqu'un qui m'a offert un joli paquet dans ce grand magasin. Je sais pas pourquoi on me l'a donné, mais bien sûr, je l'offre illico à l'organisation Atroce. Quelle chance, chef ! Oui, c'est formidable. Ah-chan, c'est quoi, au fait ? C'est bizarre, on dirait une bombe. Ah-chan, debout ! C'est pas le moment de mourir ! Quoi ? Une bombe au beau milieu d'un jeu romantique ? C'est n'importe quoi ! Il Palazzo ! Oh ! Il Palazzo, si tu m'aimes, la bombe. D'accord. C'est fait, Tetsuko. Je t'ai vengé. C'est trop tard. Pour toi aussi, il est trop tard. Je vois l'avènement de mon organisation Gold. Quoi ? Qu'est-ce que ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle en met du temps.
Bon, lequel couper? D'accord, c'est le coup classique. Si je fais le bon choix, on est sauvé et je suis un héros. Mais si je me plante, tout explose. Ça craint. Les yeux, toujours tout ne voient pas. Avec ton cœur, regardez, tu dois. Avec mon cœur? C'est qui ce vieux schnock d'abord? Hé, hey, ça me dit pas lequel je dois couper. Je suis sûr que c'est le rouge. Je mise sur le rouge. Bonne pioche. Oh. Je croyais que tu me sauverais, j'en étais persuadée. J'avais confiance en toi. Ah! Ouah, super, merci papa. C'est exactement celui que je voulais. Tout exagère, tout les gâte trop, mon chéri. C'est normal, avec moi tu auras tout ce que tu veux. Si c'est ça, alors je veux un petit frère. Quelle bonne idée. D'accord, papa va y travailler. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Oh, ce que tu peux être bête. Qu'est-ce qu'il y a? Maman? Ça va? Tout n'est pas? Si, on dirait. Ça y est, Sandora, tu vas l'avoir, ton petit frère! Waouh, génial! Non, c'est impossible! Les dates, ça ne les connaît pas! Il était encore avec quelqu'un, avec Gomez, c'est là! Non! Un simple programme créé par les masses ignorantes. Mais pourtant... Continuer, effacer et repartir. Par mes immenses pouvoirs, que cette histoire reprenne son cours. Et hop! Je le réussirai cet entretien. Et je serai fonctionnaire. Ah. Tiens, c'est toi. Salut, Watanabe. Comment ça va ce matin? Ayasugi? Passe une bonne journée, Watanabe. Dites, vous pensez que tout ira bien, vous? De quoi est-ce que tu parles? Bah, je parle de tous les trucs qu'on fait dans les épisodes. Ça tient la route, ça va? On se débrouille bien? On peut continuer comme ça? T'es inquiète ou quoi? Ah oui, un peu quand même, forcément. Remarquez, c'est pas que j'ai pas confiance en vous, mais comment dire? Vas-y, je t'écoute. Bon, j'en sais rien, et puis on s'en fiche après tout. Le prochain épisode, en tout cas, c'est la grande tour intéressante. C'est bien ça, non? Je ne trompe pas? C'est bien ça. Et c'est vraiment intéressant? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Excel? On verra bien.